Ready to fuck some shit up? Got a doll, baby. I love her so. Nothing else like her anywhere you go. A man, she... Bonjour à tous et welcome à cette Gamescom 2015 à Cologne. Voilà, il est là, il est juste derrière moi, le Pip-Boy de Fallout 4. On vient de voir une vidéo, alors on n'a pas pu jouer, donc déjà petite déception à ce niveau-là. On nous a quand même montré donc une vidéo assez longue concernant Fallout 4. Alors, ce qu'on a vu, déjà, ça démarre dans un village abandonné, en gros, qu'on explore. On est avec le chien, évidemment. Et on se retrouve assez rapidement, en tout cas dans la vidéo, attaqué par des ghouls qui arrivent et qui nous mettent des mandales. Là, le personnage, en fait, pendant pratiquement toute la vidéo, a passé son temps à se défendre en mitraillant à tout va. Donc, en gros, on pourrait dire que c'était un focus principalement dédié aux armes et aux scènes d'action. On nous a quand même montré un petit bout des caractéristiques, des compétences qu'on peut sélectionner au départ du jeu et même tout au long du jeu qu'on peut améliorer. Malgré tout, ça n'a pas duré très longtemps. C'était vraiment axé sur, comme je le disais, sur les scènes d'action. Donc on a vu quoi? On a vu la petite mitraillette, on a vu le railgun au laser. Ensuite on est passé au lance-flammes. Le personnage a continué à coups de grenade sur des tourelles. Le chien qui aide, ça c'était assez intéressant. Alors c'était peut-être ce que j'ai envie de retenir aussi de cette vidéo. C'était cette petite... on va dire complémentarité avec le personnage donc du chien. Hein. Par exemple, à un moment donné, juste avant la bataille, le personnage peut donner des ordres donc au chien, lui demandant d'aller explorer certaines parties d'un bâtiment abandonné. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et puis bon, ben voilà, la baston n'a quasiment pas arrêté pendant toute la présentation. On retrouve néanmoins le système, vous savez, donc de précision où en fait le jeu va passer en pause et on va pouvoir sélectionner la partie du corps que l'on veut atteindre. Bon, donc toutes ces mécaniques là qu'on avait de toute manière sur les précédents épisodes, en tout cas Fallout 3, Fallout 3 New Vegas, enfin Fallout New Vegas, ça a été conservé. Très sincèrement, je pense pas que dans les mécaniques d'action il y ait beaucoup de différences. Et alors après la conférence, mais la vidéo s'est terminée sur le bazooka carrément, hein. Le personnage a dégainé le lance-roquette, donc il a commencé à dégommer des personnages qui étaient sur les hauteurs de la ville, et puis ensuite un gros monstre qui sort, et puis là aussi il l'a shooté au bazooka. Très sincèrement, c'est pas exactement ce que j'attendais de voir ou ce que je souhaite voir dans un Fallout. Alors ça, c'est peut-être la fibre du passionné des premiers épisodes sur PC qui parle. J'aurais aimé en voir plus concernant le scénario, enfin, ou plutôt disons l'écriture. Quid de l'écriture, quid des quêtes, de leur façon, la façon dont elles vont être agencées, etc. Non, c'est pas ça qui a été montré. Donc si vous voulez, je suis un peu, pour l'instant, un peu dans l'expectative, un peu mitigé, parce que se concentrer d'action, pam pam boum boum, c'était correct, hein, attention, hein, mais bon voilà, c'était pas le côté... à mon avis, ça sera pas... Enfin, il faut pas que le jeu prenne uniquement cette direction-là. En tout cas... Évidemment, pour l'instant, on n'a pas vu assez du tout pour juger tout ça. Le jeu qui a été montré ici, au niveau des graphismes en tout cas, était très beau. Et il tournait visiblement sur une Xbox One, donc il n'était pas sur PC. Mais il sortira bien sur PC, il sortira sur PS4, Xbox One, PC. Le jeu est prévu, si je ne vous dis pas de bêtises, pour le mois de novembre. Et de cette année donc, hein. Donc on devrait en savoir rapidement beaucoup plus. Voilà, n'oubliez pas le hashtag GamescomGB pour nous poser vos questions ou pour réagir. Et nous, on va continuer le tour du salon parce qu'on a énormément de jeux à voir encore. Allez, à bientôt, bye bye.